Hello tout le monde et bienvenue dans ce vlog numéro 5. Alors aujourd'hui on est samedi et on est dans un parc d'attractions comme vous pouvez le voir ici. On dirait un décor derrière moi un peu, non? C'est trop bizarre, on dirait un fond vert. Non pas du tout, il y a bel et bien une plante. Bref, du coup on est au parc d'attractions, on est à Movie World, donc c'est le parc d'attractions de Warner Bros. C'est un peu comme le studio Universal mais pour Warner Bros. Et c'est à Surfers Paradise parce que je suis venue passer le week-end chez ma copine Julie, qui est une de mes meilleures copines de France, qui est là depuis le mois de septembre. Et voilà, du coup on passe la journée au parc et ensuite le week-end à Surfers Paradise, donc vous allez avoir d'autres images. Et ce que je vais faire, c'est que d'abord je vais vous mettre les images de cette semaine, parce que j'ai tourné quelques images de trucs marrants qui se sont passés, mais pas grand chose. Donc je vous les mets maintenant. Est-ce qu'on remet des maisons, Julie? Est-ce qu'on est riche, Laura? C'est dans la même soirée, on va dans. Qu'est-ce qu'on va faire de tout cet oseille? Ah, c'est vrai? Tous les clubs sur le terrain de Monopoly. Vous avez entendu ce que Romane a bien dit? C'est à nous là-bas. Les filles, vous avez entendu? Non, je fais un vlog là. On va avoir des cadeaux? Les gars, il y a le plus gros cafard du monde dans ma chambre. J'ai la phobie des cafards. Je suis excédée. Regardez la taille de ce truc. Je vais gerber. Ça me donne envie de vomir. Je sais pas comment je vais faire. J'ai emmené un kit pour l'attraper. Je dois avoir un bol et une assiette, mais je pense que je vais faire un malaise en fait. Et bien sûr, mes colocs ne sont pas là et ma coloc dort. Donc voilà. Et je peux pas dormir avec ce truc dans ma chambre, donc. Suicide en vue. Bon, petit update de la situation cafard. Bon, du coup, j'ai commencé à essayer d'attraper et je me suis mise à hurler et à pleurer parce que j'ai vraiment la phobie, genre ça me tétanise. Donc du coup je me suis dit c'est pas possible, je peux pas dormir avec ce truc dans ma chambre, donc il faut que je trouve une solution. Mais en fait j'osais pas quitter ma chambre parce que j'avais trop peur genre qu'il parte de là où il était et que du coup je le trouve plus et j'aurais pas pu dormir, genre ça aurait été horrible. Du coup bon au final je me suis dit faut quand même que j'aille trouver quelqu'un. Donc je me suis dit Inch'Allah mon coloc est chez le voisin, parce que mon coloc et le voisin sont très potes. Du coup je suis en pyjama et tout, j'ai été chez le voisin et effectivement ils étaient genre dans l'entrée, du coup j'ai même pas besoin de rentrer chez eux et tout. Du coup je leur ai dit bon les gars, va revenir parce que là voilà, je me suis mise à pleurer devant eux, ils étaient hilars. Bref, très gênant. Mais au final ils sont venus et ils ont réussi à l'attraper. Bon au final on a voulu l'attraper et le mettre dehors mais on n'arrivait pas parce que ça va trop vite ces conneries. Ça court tellement vite, c'est ça qui m'angoisse le plus en fait, c'est que ça court partout et ça me dégoûte genre. Quand je suis arrivée vers lui pour l'attraper, il était en train de se caresser les antennes avec ses pattes. J'ai jamais vu un truc aussi répugnant de ma vie. Bref. Du coup voilà, du coup ils sont venus, ils ont réussi à l'attraper et à le tuer. Voilà, donc RIP à ce petit cafard qui m'a dégoûté au plus haut point. Voilà, vive l'Australie. Maintenant que vous avez vu les images de cette semaine, je vous laisse avec les images de ce week-end et surtout du parc d'attractions, c'est trop cool. Allez, bisous. Ah, voulez-moi passer ? Les gars, c'est Julie. Salut. Une vraie Australienne depuis 6 mois, très gênée d'être prise en vidéo. Très gênée. Est-ce que c'est cool cette journée vidéo? Bah ouais, plutôt pas mal. J'aime. Est-ce que ça fait peur? Non, jamais peur moi. Bon les gars, là on va monter là-haut. Est-ce que vous voyez la hauteur de cette chose? Bien sûr, on tape les arbres pile au moment où je filme. J'ai choisi le meilleur moment du monde pour filmer. Donc là, c'est le début de la descente, enfin de la montée plutôt. Et là, c'est le haut. Et derrière, la bonne petite descente bien raide, perdue au milieu des palmiers que vous voyez là-bas. Bon, j'espère ne pas mourir. Allez, Inch'Allah, je vous retrouve après. Hein. Clap your hands and shout. And everybody clap your hands and shout.
Julie, as-tu passé la meilleure journée de ta vie? Ouais, la meilleure journée de ma vie. Enfin, tant bien que les Silverstar, mais j'ai kiffé quand même. C'est vrai. Du coup, on a fait genre toutes les plus grosses attractions et on les a toutes faites en premier rang en plus. Ouais. Du coup, c'était bien, bien cool. Mais franchement, le parc est assez petit, il n'y a pas beaucoup d'attractions. Du coup, genre là, une petite journée, ça suffit. Parce qu'au final, on n'est pas resté longtemps. Hein. Parce qu'on est arrivé à 10h15 et on repart à 16h. Donc, mais bon, ça suffisait largement parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Un petit peu déçu, mais ça va. Ça va. Ouais. Un petit rayon de viande, et bien non, c'est un rayon pour animaux. C'est le rayon frais, genre dans le rayon pour les animaux. Genre, c'est de la viande fraîche pour animaux. Ça me dégoûte, c'est immonde. Alors, juste à côté, vous avez les petites croquettes et tout. Quelle horreur! Ils sont fous ces gens. Hein. Et c'est ce qui conclut ce 5e vlog. J'espère qu'il vous aura plu, même s'il a été long à venir. Je suis désolée, j'avais pas forcément de contenu à vous proposer avant ça. Mais du coup, j'ai posté une FAQ à la place, donc ça vous a quand même fait... ça vous a fait quand même une vidéo récemment. Le prochain vlog sera Sydney, donc j'espère que vous êtes prêts parce que ça va être trop trop bien. Et du coup, il va y avoir beaucoup d'images très différentes là qui vont arriver entre ma visite à Sydney puis Melbourne dans la foulée. Donc voilà, j'ai super hâte pour ça et j'espère du coup que ça vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite.